11h12 dans une église du christianisme céleste à Djidja ce dimanche, jour de la fête des rameaux. Pas d'affluence de fidèles. Les sièges sont vides. Le portail est hermétiquement fermé. Le constat est le même sur la plupart des paroisses et églises parcourues à Djidja et à Bomé. Pour cette fête des rameaux, il n'y a pas eu de célébration de culte. Malheureusement, c'est cette fête des rameaux nous amène à respecter les consignes rigoureuses du gouvernement de notre pays à cause de la pandémie internationale qui sévit le monde. La fête des rameaux est une grande fête pour les chrétiens puisque c'est le dernier dimanche avant la Pâque. L'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils ne vont pas célébrer le culte à cause des mesures qui sont prises à cause du mal qui sévit dans le monde, le coronavirus. Une attitude des devanciers qui témoigne du respect des instructions du gouvernement dans la lutte engagée contre le coronavirus. Les chrétiens sont invités à prier Dieu dans leurs maisons respectives. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et comme l'a dit Romains 13, nous devons respecter nos chefs. Et ça fait notre bien. Donc, Dieu est esprit, Dieu est partout. On prie à la maison, Dieu doit exaucer nos prières. J'en suis certain. Je voudrais profiter de l'occasion là pour féliciter les gouvernants qui ont pris cette décision-là fait que nous soyons à la maison. Parce que cette décision-là s'inscrit à notre actif. Vous voyez? Donc, j'exhorte tous les chrétiens à suivre le mot d'ordre du gouvernement. D'abord, un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui ne suit pas les mots d'ordre des gouvernements, n'est pas chrétien. Et c'est le phénomène actuel. Dans beaucoup d'églises, nous avons des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ouais. Romains 13, verset 1 à 3 dit que toute autorité a été instituée par Dieu. Et quiconque se rebelle contre l'autorité se rebelle contre Dieu. Les devanciers et fidèles des églises sont appelés à faire plus d'efforts pour une lutte efficace contre le Covid-19.